bénisse. Dieu soit avec nous. Levant les mains un peu, nous te rendons grâce, te bénissons. Nous te disons merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci Seigneur notre Dieu de nous façonner de jour en jour afin d'être des instruments entre tes mains. Quand en vérité, la raison pour laquelle tu as envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons des témoins. Parle à nos cœurs, instruis-nous, éclaire-nous et utilise-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Merci. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre rapidement nos Bibles de Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Soyons ensemble. Soyons ensemble. De Timothée chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. On gagne du temps. De Timothée. On écrit ces passages. De Timothée chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous lisons déjà Éphésiens chapitre 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci. Nous connaissons et nous pouvons le citer par cœur, mais c'est important que nous lisions. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Laisse ton voisin dire Amen. Amen. Permettez que je lise le verset qui est bien avant. Regardez un verset que nous citons très souvent. Il est dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 dit maintenant: car nous sommes son ouvrage. Veuillez vous asseoir. Quel est notre thème ce soir? Sois un instrument utile. Sois un instrument utile pour Christ. C'est important que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur. C'est fondamental. C'est important. C'est capital. Parce qu'en vérité, comme la Bible dit en Actes chapitre 1, le verset 8, il est dit: le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc en vérité, la raison pour laquelle le Père a envoyé le Saint-Esprit sur nous, c'est pour que nous soyons des témoins de Christ. Quelqu'un m'a compris, il dit un Amen qui vient de son cœur. Donc il n'est pas normal qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, nous soyons oisifs dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce ne sera pas normal qu'après avoir reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu sois là sans rien faire, comme la parabole des ouvriers de la 11e heure qui étaient là, levez la tête maintenant. À la 3e heure, il y avait des gens qui étaient là qui ne faisaient rien. Le maître est venu, il a conduit des gens dans sa vigne. À la 9e heure, il a conduit aussi des gens. Et à la 11e heure, il trouve encore qu'il y a des gens qui sont encore sur la place publique. Et la Bible dit, il leur dit: qu'est-ce que vous faites là sans rien faire à cette heure? C'est pas normal et c'est pas logique
que jusqu'à ce jour, nous soyons là sans rien faire, sans porter de fruits, sans voir des enfants spirituels que nous avons engendrés dans l'évangile. Ce n'est pas normal qu'à cet âge, spirituellement parlant, tu sois là toujours en train d'être un consommateur spirituel. Ce n'est pas normal que tu sois jusqu'à ce jour un bébé spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin toujours d'assistance. C'est toi, voyez, quand c'est le cas, à un certain moment, c'est décevant, c'est décourageant, c'est attristant de savoir que quelqu'un qui est converti depuis des années, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui devrait être véritablement un père dans la foi, est encore un bébé. Il ne connaît pas la doctrine du salut. Il ne connaît pas la doctrine du baptême. Il ne sait pas ce que ça veut dire être né de nouveau. À plus forte raison, aller témoigner Christ à d'autres personnes. Mais quand tu es à ce niveau-là, même l'héritage que le Seigneur t'a légué, tu ne pourras pas jouir. On ne sert pas Dieu par pitié. En vérité, lève la tête quand on parle. En vérité, Dieu n'a pas de besoin. Peut-être que tu n'as pas bien compris l'évangile. En vérité, Dieu n'a pas de besoin. Une fois, Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël, il leur a dit, et pourquoi quand je vous demande d'apporter des offrandes, des holocaustes, d'apporter des moutons, vous venez avec des moutons boiteux, des moutons borgnes? Et Dieu leur a dit, si je veux des animaux, la forêt tout entière de toute la terre m'appartient. Je peux prendre des animaux comme je veux. En vérité, vous voyez, Dieu, il nous aime tellement que pour nous bénir, il n'a même pas besoin de toutes ces choses. Il n'a pas de besoin en tant que tel. Amen. Quelqu'un m'a dit, non, mais pour l'adorer. Oui, Dieu est Elohim, il est Dieu, il est Elion, il est El Shaddai. Mais il y a des anges qui sont positionnés pour l'adorer. L'adoration des anges ne peut pas être semblable à l'adoration que nous lui apportons. L'adoration des anges est filtrée. Et ils sont pieux. Nous-mêmes, c'est avec rancœur, animosité, impureté, débauche. Même quand on lève les mains pures, nos mains ne sont pas pures. Même quand on dit prosternons-nous, on est prosterné, mais on est debout dans le monde invisible. Donc en vérité, notre adoration n'est pas de qualité. Il y a des gens qui adorent Dieu, des anges, des esprits, les 24 vieillards, les anges qui sont puissants en force. Et si le Seigneur permet, et il te met au nombre des ouvriers, des canaux, des instruments pour l'adorer, c'est une faveur que tu as trouvée aux yeux de Dieu. Regarde comment ça me révolte. Quelqu'un dit un amen de cette vie. J'ai dit, c'est une grâce. Dieu, et dimanche, j'ai essayé de dire qu'en vérité, Dieu qui veut te bénir, il trouve un argument. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a été élevé. Et puis, on lui dit, tu as des cousins, il dit oui. Tu as des neveux, il dit oui. Et mais comment je vais faire? Je vous être 27 neveux. Je vais vous donner un million. Le problème est que si tu prends des millions et tu leur donnes, sans qu'ils ne margent, ils ne signent quelque part après avoir travaillé, on dira que tu as détourné l'argent. Donc comme toi, tu es directeur général, ou tu es premier ministre, ou tu es président quelque part, alors tu as droit à des chargés de mission, dis chargé de mission. En vérité, toi, tu es un chargé de mission. C'est pourquoi il t'a commissionné. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, tous ces gens qu'il va engager, il met tous ses neveux, sa tribu-là, il les met chargés de mission. On dit, mais monsieur le président, il dit, oui, j'ai 40 chargés de mission. Mais tous, 90% sont ses neveux. Mais ils sont chargés de mission. Il y a un qui envoie pain, il y a un qui envoie fagot, il y a un qui attrape son sac. Il y a deux qui attrapent ses portables, ses cellulaires. Ils sont chargés ou bien ils ne sont pas chargés? Aide-moi! Ils sont chargés ou bien ils ne sont pas chargés? Voilà, à la fin, ils viennent émarger. Et signe. Et on lui donne millions. Il a travaillé ou bien il n'a pas travaillé?
L'ouvrier mérite. Dieu, quand il te regarde, il ne sait pas où il va te mettre. Toi, tu ne peux pas servir Dieu. Dis, frère, comment ça? Mais pour servir quelqu'un, il faut le voir. Tu le vois où? Là où on est, là, il est où ça? Derrière, devant, à gauche, il est situé où? En vérité, c'est Dieu qui veut te faire cadeau. Et il te prend, toi qui es un boiteux spirituel, tu es un courbé spirituel. Le ciel, quand il t'a appelé, le ciel dit, mais lui là, tu l'amènes où? Ses mains ne sont pas propres. Dit oui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je parle. Il y a un bonhomme, il s'appelle Mephibosheth. C'est le petit-fils du roi Saül. Il est perclus de pied. David le trouve. David dit, allez le chercher, il va manger à ma table. Hey! Les gens disent, David, est-ce que celui que tu invites à manger à ta table, tu l'as déjà vu? Ses pieds-là sont cassés. David dit, je vais parler. Quand il va s'asseoir à table, là, la table va couvrir ses pieds. J'ai dit, il y a une table que l'Éternel dresse devant toi. Les imperfections de tes pieds, là où tu as marché là, on voit plus là où tu as marché. Ce qu'on voit, ce n'est plus, quand tu es à table, on voit plus pied. C'est main qui doit aller vers ta bouche. Quelqu'un qui t'invite ne dit pas, attends, elle voit ton soulier. C'est qu'il ne t'a pas invité. C'est qu'il a d'autres projets. Je t'annonce que le Seigneur t'a invité à sa table. Dis à ton frère, c'est grâce que j'ai trouvé. Donc nous sommes l'ouvrier, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et ce soir, je voudrais qu'on comprenne. 2 Timothée, allons-y dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, quelqu'un va lire rapidement. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 que j'ai cité tout à l'heure. Nous allons comprendre qu'en vérité, Dieu veut que nous soyons des canaux, des instruments entre ses mains. Parce que regarde, c'est ce qui a été dit à cette femme. Allons-y. 2 Timothée 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il n'y a pas seulement que Et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les vases d'honneur. Et les autres sont d'un usage vil. Où tu veux te situer? C'est pas fini, frère. Lis la suite. Parce que là où nous sommes, lève la tête d'abord. Là où nous sommes, on ne sait pas qui est vase d'honneur. Ça n'a pas fait d'église. Vase d'honneur ou qui est vase à usage vil. Vous savez, dans toutes les maisons, nos parents nous ont éduqués de cette façon. Il y a des soupières. C'est-à-dire, il y a des soupières, nos parents ont mis là. En vérité, c'est devenu décoration. Même invité n'a qu'à venir comment? On ne mange pas dedans. On dit, frère, comment tu t'es tout ça? On a commencé à faire ça nous-mêmes. Souvent même les enfants vous disent, mais papa, assiette là, ça là, c'est en quelle année on a mangé dedans? On était petit, on a grandi. Assiette ça là, vers ça là, on ne boit pas, on dit, lève, enlève ta main là-bas, pas casser. En vérité, ça est là. Il y a des gens comme ça qui remplissent le ministère de la décoration, c'est-à-dire eux-mêmes, leur vie, c'est décoration. Je n'ai pas dit qu'ils font décoration, eux-mêmes, tellement ils sont inutiles qu'ils sont dans la maison, ils ne font rien. Ils sont là pour le plaisir des yeux. Les gens les regardent, ah, la soeur Potilla, elle fait quoi? Elle ne fait rien. Elle gagne des âmes. Gagner âme, c'est trop dit. Mais elle connaît tous les problèmes des hommes dans l'église. Si ce n'est pas le jugement de Dieu qui va venir sur toi, c'est quoi qui va venir? Ta bouche est comme porte-diarrhée. C'est toi qui parles.
Il n'y a pas quelque chose dans la vie de quelqu'un dans un foyer que tu ne sais pas. Tu sais tout. Tu sais tout. Ta bouche sait tout, tes yeux voient tout. La sœur, là, le frère, là, lui, là, André ne veut pas se convertir. André, que lui, là, André, il est mal converti. André, lui, là, regarde sa tête, pourquoi c'est rond? Pourquoi lui, là, est comme ça? Tu vas mal finir. Tu vas mal finir ta cause. Ça, ce n'est pas un ministère dans l'église. Tu es quel type de vase? Il y a des vases, hein? Vous connaissez vase de nuit? Hein? Vase de nuit. C'est un mystère. Il est dans la maison et il est souvent caché. Et ça, c'est le type de certains chrétiens. On les fait sortir pour des sales besognes. C'est-à-dire, si tu veux savoir tout... Tu vas faire servir dans... Non, servir dans mon dos. À ton âge, oui. Tu vas faire quoi? Chanter? Non, je ne sais pas chanter. Elle a quoi? Non. Bon, tu vas faire ta... Non. Et c'est quoi tu peux faire? Non. Et si on te dit, par exemple, qu'on a fait agape comme ça, tu vas partager les poissons et les poulets. Bon, là, c'est... Voilà des choses que je peux faire. Et sa main, ses doigts, on ne sait pas ce qu'elle fait avec. Elle va mettre dans notre manger. C'est de toi que je parle. Tu n'es pas loin d'être un parasite. Vous savez, quand quelqu'un ne sert pas Dieu et qu'il ne veut pas être au service de Dieu, il faut le traiter comme tel. Il y a des vases. Ce n'est pas normal que tu sois sauvé ayant l'esprit de Christ et tu ne sois pas un instrument entre les mains de Jésus. C'est une abomination. Donc il y a des vases de nuit. Ce sont des gens comme ça que vous voyez. C'est des rebelles, des têtus. Ils mènent sa vie comme bon lui semble. Il n'a de respect pour personne. Il n'a d'égard pour personne malgré son éducation civilisée. N'a d'égard pour personne. Arrogante, arrogant, délinquant spirituel. Tu fais quoi? Où on peut te mettre actuellement? Bon, je suis en prière et ça fait 4 heures pris. Mais à la fin, on va te mettre où? Bon, ça dit, moi, laissez-moi comme ça. Parce que vous allez me mettre dans quelque chose, je vais gâter. Tu n'as pas cœur pour gâter quelque chose ici. Tu es aussi méchant comme ça. Tu es le neveu du diable. Mais tu n'as jamais été converti. Des vases de nuit. Mais vases de nuit, là, on ne le met pas dehors. Hein. Même quand il fait nuit. Quand on fait rentrer les cuvettes, les assiettes, les verres, on le fait rentrer aussi. Et aussi, lui aussi, il est, même quand il y a des menaces, on le met dans la maison. Il est à l'abri. Mais il est pour des sales besognes. Tourne-toi vers les deux là, sans dire un mot. Dis, j'espère que ce n'est pas de toi, il parle. Hein? Tu es assis à côté de moi, mais je ne sais pas si tu es vase de nuit. Quand tu regardes sa vie, soeur, qu'est-ce que frère, qu'est-ce que tu fais? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore choisi de faire. Et c'est pour ça que si quelqu'un, voyez, les vases, Dieu dans son mystère, il dépose les vases et il dit le vase qui va être un vase d'honneur, dépend de l'attitude qu'il va adopter. Ce n'est pas comme les assiettes qu'on a à la maison. Parce que les assiettes, là, c'est figé.
Si c'est l'or, c'est l'or. Mais ici, c'est que tu as le privilège, si tu étais vase de nuit, parce que c'est dans vase de nuit, quand quelqu'un veut vomir, oh, c'est pas dans soupière tu vas vomir. Vous comprenez pourquoi la vie de certaines personnes dans l'église est remplie de nyama-nyama. C'est dans toi, tout le monde vomit. Quand on veut dire des bêtises, c'est ton oreille. On dit, viens, Clabo, Clabo. Oui, tu es où? Oui, Clabo, est-ce que tu as appris? Pourquoi c'est des bêtises? On ne t'annonce jamais de bonnes nouvelles. Parce qu'on fait, tu es façonné pour ça. Des bêtises, on ne va jamais t'annoncer d'être, parce que tu es disposé et tu es prédisposé à ça. Les mensonges, les escroqueries, les trucs bizarres, c'est ça. Il y a un frère qui veut quitter l'église. Il y a un frère qui veut quitter l'église. Il est pas... Regarde-moi ici, menteur, menteur. Comment tu fais pour être informé de tout ça? Regarde-moi, si ce n'est pas de toi, on parle. Aie le courage. Comment tu fais pour être au courant? Et si quelqu'un veut quitter l'église, qu'est-ce qu'on a à voir dedans? C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton parent. Laisse-le. Le jour que tu vas parler de ça ici encore, tu vas voir comment on va te traiter. Cherche à être utile dans les mains du Seigneur. Quelqu'un qui veut quitter, laisse-le. Tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas rendre témoignage de Christ, mais c'est des bêtises comme ça que toi tu sais. Il y a la sœur, Mariko. Mariko, on dirait qu'elle veut quitter l'église. Comment toi c'est des conneries comme ça que toi tu sais? Il n'y a pas un jour tu vas dire non, pasteur, je viens de gagner 3 âmes. C'est, on t'a jamais entendu dire ça. Ah, je vais rendre grâce à Dieu, je suis venu te voir là. Ce n'est pas pour parler, critiquer. Non, je suis allé prier pour 2 frères là. Miraculeusement, le Seigneur, dans son amour, les a délivrés. Pourquoi on ne peut pas t'entendre dire des choses de ce genre venant du royaume? Mais quand tu approches quelqu'un net, il pince l'autre et dit oui, il est venu. C'est le colabat de l'église. Laisse-le, il va pondre. C'est le colabat. Il y a des gens comme ça, ils ne savent pas qu'on les a surnommés vase de nuit. Sa bouche, quand il l'ouvre, il a doctorat. Il a diplôme, il est temps, il est sage, mais sa bouche, ce qui sort dedans, c'est dans lui on vomit. Déchets humains, on met en lui. Les enfants, papa, il y a père, il y a pissé. On a oublié de mettre là-bas. Femme enceinte, elle vomit. On est obligé de t'appeler. Quel malheur. Je prie qu'après ce message, tu ne sois plus, ce ne soit plus ta portion. C'est-à-dire que si toi, tu dois approcher, c'est pour ça que n'ayez pas trop d'amis dans l'église. On est tous des frères, mais on n'est pas des amis. Souvent, les gens demandent, mais pasteur, vous avez près de 30 pasteurs et les fêtes de Pâques, dimanche de Pâques. Sur les 30 pasteurs, depuis près de 12 ans, je sais avec qui je sors. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un, traître un neveu de Judas. Il est pasteur, c'est mon frère, mais ce n'est pas mon ami. Quelqu'un qui ne s'est pas livré entre les mains du Seigneur, fais attention avec lui. C'est pourquoi on peut venir à l'église ensemble, mais on n'est pas obligé de cheminer ensemble. On chemine avec ceux dont on a le même destin. Parce que ce... Non, mais regarde, même à l'aéroport, quand on va à l'aéroport, les gens chacun en sont troulés. Mais c'est quand on rentre, on fait les formalités. Tu vas au Burkina. Valise là, tu vois. Il a mis échappe à son cou. Là-bas, il fait chaud. Il met échappe à son cou. On le confond à quelqu'un qui va à Bruxelles.
Et où on dit, non, mais je prends mon vol tout à l'heure. Je prends mon vol. Et va au Burkina. Mais c'est, il va à l'est. Et quand on lui demande, il camoufle tout. Tu vas où? Non, mais je prends mon vol. Eh ben voilà. Oui, ben oui, je suis à l'aéroport là. Ouais, je prends mon vol dans 30 minutes. Ouais, je vais à l'extérieur. Non. Oui, je reviens dans 3 semaines. Oui. Et quand il raccroche, toi-même tu es apprécié. Quand vous allez là, le voilà prend couloir du Burkina. Il y a un autre aéroport là, il y a tout le monde là-bas. C'est aéroport là, c'est dans ça on est actuellement. Il y a des gens qui ont pris leur vol pour l'enfer. Et il y a nous autres, on s'en va au paradis. Aéroport là, on est dedans, on est mélangé, on est ensemble, on est là. On ne sait pas où chacun s'en va. Je peux parler? Non, si tu insistes, je parle. À la croix, c'était un aéroport. Yeshua avait le brigand repentant et puis l'autre. Donc, chacun a pris son vol et chacun avait sa destination. Sa destination. Donc, quand ils ont décollé tous, Christ avait le brigand repentant là. Puis, ils en vont au paradis. Il dit, ouais. L'autre aussi a pris le même vol. Bah, et tout décolle. L'enfer, là, c'est pas ici. Et tout ça, c'est en haut. Donc, vous voyez, quand on rentre dans l'aéroport, on ne sait pas où chacun s'en va. Mais on est à l'aéroport. Chacun dit, il m'en va à l'extérieur. Avant, je me disais quelque chose, c'est une confession. J'étais en train de dire, bah, moi, si je dois aller, j'étais au Niger comme ça, arrivé en haut là-bas, hein, quand j'ai fini les formalités là, hein, je me faufiler parmi ceux qui s'en vont, par exemple, à Londres, mon frère, quand tu arrives en haut là-bas, embarquement, les trucs, tout est organisé. Ce n'est pas une seule voix qui est là. Et puis quand tu arrives, tu vas vous tout suivre, monter d'avion comme car. Quand vous avez fini toutes les formalités arrivées là, oui, monsieur, on regarde, oui, l'embarquement, oui, pour Bruxelles, c'est là. Oui, toi, oui, Niger, oui, c'est de l'autre côté, allez là-bas. OK. Et toi, tu vas où? Non, ben, quand on parle de Bruxelles, les États-Unis, Haïti et autour, Canada, tout, toi, tu as pris vol pour Korogo. Donc, oui, s'il vous plaît, je vais à Korogo. Parlez fort. Vous allez où là, s'il vous plaît? Je vais à Korogo là. Korogo, bon, ben, attendez là. Hein? C'est dans 2 heures. Air Ivoire. En temps, tu les suivais. Façon, tu es habillé, mais on dirait que tu décolles avec nous. Oh, tu vas à Korogo. Et tu es habillé, on dirait qu'il fait froid là-bas. Pitié pour un homme. Dans une maison, frère, il y a des vases. C'est pourquoi là où on est assis, ne prête pas attention à celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas quel type de vase il est. Si c'est vase de malheur, est-ce que vous savez que même Dieu a choisi des gens pour le jour du malheur? Ce n'est pas moi qui le dis. Je peux vous parler quelque chose? Mais la Bible dit, c'est pour ça que vous voyez, si tu ne te disposes pas pour être un instrument entre les mains du Seigneur, le Seigneur va t'utiliser quand même, mais pour une autre cause. Les démons là, c'est pourquoi le Seigneur est appelé l'Éternel des armées. Dieu là, il maîtrise toute la créature. Les démons là, il les envoie comme amusement. Quand il veut faire, il dit tout le monde est vase. Les démons là, Dieu les envoie en mission. La Bible dit que Akab, le prophète, Élie a prophétisé sur lui quand il a tué Naboth. Et il a dit, les chiens vont lécher ton sang. Les gens ont dit, chiens vont lécher sang de roi. C'est que la terre est tombée sur ma tête, quoi. Il dit, mais les chiens vont lécher ton sang. Sinon, je ne suis pas prophète de Dieu. Il s'en fait guerre, il fait tout, il fait...
Et la Bible dit, Dieu a envoyé un démon. Le démon l'a... Écoute, hein? Le démon l'a passé. Et Dieu l'appelle. Petit, tu vas où? Il dit, mais je me promène depuis que tu nous as chassés, viens. Nous sommes tes enfants. Aïe. Même ton nom qui mange l'homme là, c'est pas ton oncle. Hein? Claude. C'est ton oncle ou c'est pas ton oncle? Mais il est absent. C'est ton oncle. Dieu appelle esprit là. Il dit, tu vas où? Il dit, je me promène. Je vais t'envoyer en mission. Il dit, mais père, envoie-moi. Il dit, je vais t'envoyer. Parce que vous voyez, il y a les vases là. Dieu les envoie selon leur qualité. Quand quelqu'un vient chez toi, je ne sais pas qu'on méprise quelqu'un. Quelqu'un de passage vient chez toi, il te demande un temps, tu ne vas pas aller sortir le verre que si le premier ministre vient chez toi, tu vas enlever. C'est une affaire d'éducation. Il y a des verres, on ne sort pas comme ça. Il y a des gobelets. Il y a des casseroles. Alors, le démon l'a passé, Dieu l'a appelé. Il dit, bon, je te donne une mission. Tu vas, tu chutes. Il dit, ah bon, c'est chaud? Il dit, oui. Tu vas parce que mon prophète a maudit quelqu'un, le roi que tu vois là. Et, ah, oui, nous, on l'a mis là, sa tête déjà vieille. Il dit, bon, tu vas descendre à nouveau. Dieu parle à un démon. J'ai dit, il y a des choses, tu es un petit. Il y a des choses, un temps vient où on va t'expliquer des mystères. Dieu! Je vous ai parlé ici l'an passé. Démon que nous, on lit, qui est vaincu. On ne sait même pas où il est passé, où tu es là. Le feu est sur toi. La Bible dit que Dieu est en réunion. Et puis, esprit la vient. Et puis, il rentre en réunion du bon Dieu. Joko, ça c'est possible. On dit le gouvernement est réuni. Et puis, Boko Haram. Le chef, il rentre au conseil des ministres à Safrolaï. Ça n'aura pas lieu. Mais ça a eu lieu chez Dieu. Le démon en chef, le Satan, le L, il rentre dans la réunion de bon Dieu. Bon Dieu, les amens, oh, alléluia. Aujourd'hui, Dieu va le faire disparaître. Ce que nous, quand il sort devant nous, tu le fais, le feu, le feu. Pendant que nous, on est sur la terre, le feu, on envoie. Gars, il est en réunion avec Dieu. Il peut parler. Dieu, là, tu ne le connais pas. Souvent, même feu l'a poursuivi, esprit là. Oh, Dieu l'a appelé. Il dit, mais dis à tes petits là d'arrêter leur feu là. Hein? Fais. Ils n'ont qu'à arrêter feu. Souvent, il faut leur dire que je suis ton petit. Souvent, tu m'envoies. Ils ne savent pas ça. Frère, servons le Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel. On l'appelle El Elyon. L'Éternel, le Dieu élevé. Il est trop élevé pour que tu le maîtrises. Tu ne peux pas contrôler. Dieu, tu le maîtrises pas. Démon, Satan, Dieu entre. Alors, comment ça va? Les gens, ça veut dire, il y a des gens, même souvent, tu as insulté ton leader, sa maman, son tout. Et puis ton leader est en train de parler à lui. Ça veut dire, celui pour qui vous êtes en train de tuer là, pendant la crise. Les deux sont en train de. Alors. Petit frère, comment ça va? Toi, tu es là, tu dis, il appelle petit frère. Tu es étonné. C'est-à-dire quelque chose bout en toi. On n'a qu'à finir avec lui. Il est fini avec lui. Allez vous asseoir là-bas. Je couche avec mon frère. Aïe, ton frère, lui, là. On a toujours été des frères. Hey! Mais c'est vous qui ne le savez pas. Dieu, là, Satan, c'est son petit l'homme. Et quoi, oui, tu as vu sur la terre, il dit, oui, je me promène toujours, tous les quartiers, je mettrai. Tu as vu mon petit là, Job,
un peu chauve là. Oui, j'ai vu Job. Job, toujours quand il passe, il y a feu autour de lui. Il dit, ah, c'est ça qui est là. C'est ça. Il y a quelque chose pour lui. Dis non, mais. Et dit, Dieu, moi, je... Aïe, Dieu, tu es en réunion, Satan est venu. Bon, finis-le. Quelqu'un que nous tous on cherche sur la terre ici. Il finit par lui. C'est toi qui ne connais pas. Toi, il faut suivre ses voies. Quand tu suis ses voies, Satan court. Tu vois, depuis, on est en train de te montrer le message de la croix, l'évangile vrai. Satan ne te dit plus rien. C'est vrai ou bien c'est faux? Quels sont ceux que les sorciers ne disent plus rien? Levez bien la main. Il n'est pas dit de lever toi. Toi, sorcier, ne te dis plus rien. Avant, quels sont ceux qui, honnêtement, avant d'avoir compris le message, avaient vraiment peur? Soyez honnêtes. Tu ne lèves pas ta main? Tu n'avais pas peur? Aujourd'hui, tu es libéré. Tu sais qu'en vérité, le Créateur du ciel et de la terre, là, il habite chez toi. Donc, quand Satan rôde là, il connaît. Car connaisseur, il connaît. Il sait. Quand il te regarde, il sait que ce n'est pas toi-même. Quand en vérité, tu n'es pas simple. Mais quand tu ne sais pas ça, tu trembles. Oh, en vérité, tu ne dois pas trembler. C'est Satan qui doit trembler. Prenons quelques points rapidement. L'attitude d'un ouvrier, d'un serviteur entre les mains du Seigneur, premièrement, le but que nous devons connaître et l'attitude que l'ouvrier, le serviteur inutile doit avoir. Premièrement, il doit renoncer totalement à sa vie, à son honneur, à sa gloire. Vous voyez, on ne peut pas être un vase d'honneur si on ne se livre pas entièrement et délibérément entre les mains du maître. Un vase qui veut être un vase d'honneur, il se laisse entre les mains du maître. Il renonce à l'autorité sur lui-même. C'est-à-dire, là où tu es, tu n'as plus de droit sur toi-même. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne vas pas là où tu veux et tu ne te comportes pas comme bon te semble. Parce qu'en vérité, tu as été engagé au service de Dieu. Regardez, quand une maman engage par exemple une servante, une jeune fille pour travailler pour elle, est-ce que quand la servante vient dans la maison, lève la tête d'abord, la servante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à faire tout ce qu'elle veut? Non, répondez-moi. Attends-y. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire un peu de pissage avec Foutou Banane et avec un peu de crabe parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas mangé crabe. Et puis, poisson fumé. Je veux un peu de... Tu vois, tanti, si tu vois un peu... Les poissons brochés, j'aime beaucoup les brochés. Voilà l'attitude qu'on a. Oh, Dieu nous a sauvés, lavés, levés, positionnés. Et il dit, maintenant, tu es à mon service. Quand en vérité, je te mets là, en vérité, pour te bénir davantage. Et quand nous, on vient, on veut lui dicter notre propre loi. Non, Seigneur. Non, si une servante fait ça dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Non, quoi? Léa, on ne renvoie pas. Tu es une femme remplie de l'esprit d'amour. Tu es compatissant. Tu es une présidente des femmes. Il faut être rempli d'amour. Amen. Tu la mets en prière. Amen. Et maintenant, elle dit, ah, vraiment, tanti, en tout cas, tonton me plaît beaucoup. Je ne sais pas quand tonton s'habille comme ça, mon cœur se soulève comme ça. En tout cas, bon, le Seigneur est amour. Si un jour, que Dieu te fait la grâce et que vraiment, bon, que le Seigneur même dit, partagez les choses entre vous. Ça aussi, il faut la mettre dans la prière. Tu es fou. On ne met pas ça dans la prière. On frappe. C'est toi, ton goût qu'on va apprécier. Il y a des maisons, même où on te fait préparer ce que tu n'as pas envie de manger. Je parle là. Grenouille. Toi-même, tanti, il y a même toujours grenouille. Prépare ça pour mon mari et moi. Je ne sais pas de manger. Tu fais une soupe sautée. À la grenouille évanouie.
Tu fais ça avec du riz local. Tanti, comment je vais attraper ça? C'est ça, c'est pas mon problème. Et fais en sorte que vraiment il soit bien chose et puis assaisonné. Et, voilà. Et surtout ne goûte pas. Grenu que toi-même tu n'as jamais voulu toucher. Tu attrapes comme ça. Ça là, si j'ai fini ça là, que Dieu m'aide, tu vas préparer, on te paye pour ça. Pour servir Dieu, pour que ton service soit agréé, la première qualité, première condition, il faut renoncer à l'autorité qui est sur toi. Renonce à toi-même. Renonce à ta vie. Parce que si tu viens, qu'on te dit, bon, toi, tu es professeur d'université, mais c'est vous deux, toi et puis l'agrégé là, c'est vous qui l'avez le WC aujourd'hui. Vraiment. C'est comme ça que je quitte les églises facilement là. C'est je viens, vous ne me donnez pas la chair. Moi, agrégé. Agrégé, c'est pour ton père et ta maman. Ici, tu n'es pas agrégé. Tu es un petit. Aux États-Unis, les gens sont allés comme ça, chercher Washington ou une année, je ne sais pas, dans les années. Ils sont allés, bon, vraiment, ils sont allés. Et bon, on est venu chercher le président. Les gars ont encerclé l'église bâtie. On est venu chercher. Les gens, les protocoles se sont approchés et dit oui, nos respects. C'était pourquoi vous avez encerclé le temps? Non, on est venu chercher le président. Ils étaient choqués. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être protocole. Protocole, c'est que tu connais le droit et tu connais la parole de Dieu. Ils ont dit aux agents de la Maison Blanche qu'il n'y a pas président ici. Ils disent, mais vous riez ou bien quoi? On n'est pas là pour plaisanter. Là. Le président, on le voit là-bas. Voilà sa voiture. Il dit, messieurs les agents, il n'y a pas président ici. Ils sont allés. Le pasteur dit, on fait la prière finale d'abord. Ici, là, il n'y a pas de président. Le seul pour qui nous sommes là est Jésus de Nazareth. Le président, dès qu'il rentre à l'église, il devient brebis. Il n'est plus président ici. Il n'y a pas une place pour lui. Et c'est comme ça aujourd'hui l'église évangélique est déchue. Quelqu'un, on ne sait pas à qui il donne ses fesses. Parce qu'il est en haut quelque part, premier ministre bientôt, et il a un fauteuil pour lui. Il a croisé général. Général, ici en Côte d'Ivoire. Il s'est donné à Jésus. Il dit, mais viens, tu vas te mettre en genoux. Le gars là, mets-toi en genoux. Papa, allez, en genoux, je vais prier. Oh Seigneur, là où, il est en genoux et puis on chante. Là où deux, où trois. Je sais que si mal est dû. Mais général, je ne t'ai pas appelé. Quand on a fini ça, il lui a dit, bon, général, il faut que vous achetez une Bible. Il dit, mais pasteur, où on va acheter la Bible? Il dit, à la maison de la Bible. Vous pouvez aller acheter pour moi? Non, il fait chaud. Vous prenez la voiture de commandement là. Pour la première fois, je monte dans la voiture de commandement, elle est gyrophale. On s'en va à la maison de la Bible. Je ne suis pas ton petit. Je suis ton baba. Tu es général. Ça, c'est celui que tu es tonton. Ici, tu n'es pas général. Je suis ton père. Je l'accompagne. On paye Bible. Il dit, bon, rentre à la maison. Tu me descends chez moi. Aujourd'hui, vous voyez, l'église a changé. Un PD, dès qu'il a titre, il vient à l'église, tout le monde est derrière lui. Il devient solution, lui qui est problème. Devient solution. Il partage un peu d'argent là, il tape sur l'épaule des pasteurs. Alors ça va, Claude, ça va. Voilà, et quand je viens, il cherchait de me trouver une place. En tout cas, Dieu me juge et abrège mes jours. On va te mettre où? Ici là.
t'as loupé. Ces briques, on met deux briques et puis on met planche dessus. Puis ton titre là, c'est sa place qui est là. Quand on fait ça là, tu es obligé de savoir qu'en vérité tu n'es rien. Deuxième chose, il faut quoi? L'humilité, le brisement. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Voyez, si tu n'es pas humble et que tu n'as pas l'esprit d'humilité, tu ne peux pas servir Dieu. Troisièmement, il faut être désintéressé. C'est-à-dire, on ne sert pas Dieu pour être quoi? Rémunéré, avoir une reconnaissance, une position, un honneur, une gloire, une félicitation. Voici ce qui a tué plusieurs. Ouais, j'ai fait la dernière fois offrande, j'ai fait tant, mais on ne m'a pas encore présenté. Le pasteur, quand il dit là, il ne cite pas mon nom. Il ne sait pas si toujours. Les gens ne lui citent pas mon nom. Les dirigeants disent au pasteur que c'est moi qui ai donné ça. On n'a qu'à citer ton nom en vertu de quoi? Bon, envoie ton nom, on va citer, ça a fini. Quand on sert Dieu, on va dans la position d'un serviteur inutile. Nous tous, autant que nous sommes des serviteurs. On doit avoir l'attitude d'un serviteur inutile, qui n'est pas indispensable. Et puis, le quatrième point, c'est ça? Comment? Quatrième point, il faut te mettre dans la peau d'un serviteur esclave. C'est-à-dire, un serviteur esclave est différent d'un serviteur tout court. Un serviteur esclave, quand il sait, mettez Luc chapitre 17, on va s'arrêter là. Il est 10 minutes, 19h10, on va s'arrêter là. On avait pris un peu de retard, donc on a rattrapé un peu. Luc chapitre 17, verset 10 et suivant, vous allez lire ça après. D'accord? Tu peux lire, si tu veux lire rapidement, rapidement s'il te plaît. Lis vite. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Tout ce qui vous a été, vous de même. Dès l'instant, vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, c'est Jésus qui dit. Dites. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Bon, si tu dois, tu as fait ce que tu devrais faire. C'est quel remerciement on te donne? Voilà ce qui nous a tués, nous tous chrétiens, pasteurs. Honnêtement, il y a ce sentiment de reconnaissance en nous. Et c'est normal. C'est vrai, on peut te remercier, on peut te bénir, on peut faire tant, mais n'attends pas ça. Si les gens ont oublié, c'est que Dieu va se souvenir de toi. Si tu as rendu service, c'est pourquoi, voyez, ce soir nous parlons d'être un instrument entre les mains de Christ pour son œuvre. Évangélise, témoigne, joue, sers Dieu. Non, quand je dis sers Dieu là, c'est pour le servir, ce n'est pas de le serrer. Pas être serré, et puis le verbe serrer, et puis servir là. La manière d'être conjugué là, souvent c'est à peu près la même chose. Il y a des gens qui servent Dieu. Dieu, je t'ai attrapé, donne mon mari maintenant, donne mon mari, je t'ai dit. Donc quand il te dit je sers là, parce que souvent quelqu'un veut, il peut te, la façon dont il te sert, tu es obligé de lui donner des choses. C'est pas de se serrer là, je parle pas de serrer, je parle de servir. Donc quand tu as fini de faire ce que tu dois faire, n'attends rien en retour. C'est cette attitude-là que malheureusement on a inculqué aux chrétiens évangéliques protestants. Quand il vient, il donne sa dîme. Les plus matures ont compris qu'ils n'attendent rien, que ce n'est pas le pasteur qui bénit. Le jour que ça va rentrer dans ta moelle épinière, ça va rentrer dans tes os, dans ton corps, dans ton être, tu vas grandir. Ça veut dire en semaine, tu peux venir et déposer ta dîme, déposer ton offrande. C'est-à-dire, tu es une mère dans la foi maintenant. Tu es mûr. Mais les néos, les petits, les enfants, barbus, vieux, mais son esprit n'est pas formé. Pasteur, oui, il a déposé 5 000 dans le panier. C'est pas, vous n'avez pas encore fait la prière sur moi. Là. Non, vous ne m'avez pas compris. Pasteur, ainsi.
Dis au révérend que j'ai donné 5 000. Depuis la Pentecôte, ils n'ont pas encore fait une prière. Bon, j'attends. Et le jour que tu donnes sac de riz, là, chaque grain sera une prière. Là, nous, on ne va plus s'en sortir. Ça veut dire, même quand on respire, on prie pour toi. On dort, on prie. En rêve, on prie. On mange, on prie. On va devenir tes serviteurs. Il y a des frères dont je bénis Dieu de leur maturité. Ils ont compris. Parce que plus tu grandis, j'ai parlé à un fils spirituel que j'ai engendré dans les vents. Il a prié, il dit, papa, je suis pur. Gagnons temps. Il dit, mais tu m'as formé. Faut pas, on va perdre temps. On n'a qu'à gagner temps. Jésus dit la parole que vous avez entendue, vous a déjà purifié. C'est la parole là qui lave. C'est pas prière d'un pasteur. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu vas croire, tu cherches des gens qui vont faire prière sur toi. C'est pour ça que prière, quand on est allé quelque part, je dis pas non. Ma femme se souvient. Je suis allé, le monsieur derrière, mon pasteur, vous ne m'avez pas donné gêne. Les Martins, les autres qui me connaissent, ils disent, ah, lui là, il a gâté son affaire. Je suis venu dire, viens, le Seigneur me met sur le cœur. Tu vas prendre 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Il dit, amen. L'endroit là, c'est rempli de cailloux. C'est en Côte d'Ivoire ici. Comme c'est toi-même qui as demandé jeûne, et puis prière, je leur ai dit, lui et toute sa famille n'ont qu'à se mettre en genoux. C'est sur des pierres. Ils sont là. Maintenant, ça fait mal et ça fait rire. Il veut se coucher. Il dit, non, mets-toi bien. On est dans les cantiques. Je lève les yeux vers... Il fait ça, fait... Lève-toi bien. J'ai dit, viens là, il veut s'asseoir. Il dit, il ne faut pas t'asseoir. Si tu t'assois, ton mystère va passer. C'est sur tes genoux. On lutte en genoux. Il dit amen. Mais le problème est que ses genoux sont fatigués. Ça t'a loupé encore. C'est toi qui vas demander jeûne et prière. Bon, mais on t'a mis dans prière. Il y a des gens qui sont charnels. Frère, quand tu rentres dans cette dimension spirituelle, tu n'attends pas que... On doit prier pour toi. Hein? On n'a pas dit qu'on ne prie pas. Mais plus tu vas grandir, plus tu vas comprendre que, non, bon, on va prier, levez-vous, on va prier, on va appeler maintenant le Saint-Esprit parmi nous, on va appeler, Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Non, vous êtes les neveux des ignorants, l'Esprit de Dieu est en moi. Donc, dès l'instant où je suis venu, considérez qu'il est déjà là. Donc c'est moi seul qui le transporte. Alléluia. Alléluia. Voyez comment il fait sa tête, on dirait déjà. Lui, toujours sa tête est comme Maria, comme ça. Tout ce qu'on dit. Il est en moi, il est en toi. Donc si nous deux, on est là, là, Jésus est déjà là. C'est pourquoi il dit là où deux ou trois, on commence. On ne l'appelle plus, il est déjà là. Soyez grandissez. Et ça, pour le faire, mets-toi entre les mains du Christ. On va se lever. Quand tu vas te laisser entre les mains du Seigneur, tu vas voir des expériences qui vont commencer à s'opérer dans ta vie. Des choses extraordinaires. Tu n'as pas encore vu de grandes choses parce que tu n'as pas encore osé de grandes choses. Mais si tu te laisses librement entre les mains du Seigneur, tu vas voir. Frère, nous avons dit ici que chacun commence à témoigner. Vrai ou faux? Commence à témoigner. Moi, j'ai commencé à évangéliser, je n'étais pas baptisé. Je prêchais, j'annonçais l'évangile, je faisais tout, priais pour les malades. C'est pas le baptême, parce qu'il y a des doctrines dans certaines églises évangéliques. Non, si tu es croix, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Où tu trouves cet évangile renversé des renversés là? Le brigand là, tes parents t'ont pas dit qu'il n'a pas été baptisé?
Ou bien c'est sur la croix là, on envoie bassine et puis on trempe ses pieds dedans. On trempe. Vous racontez souvent des choses qui n'ont ni tête ni queue. Il attend de se faire baptiser. Lui là. On n'a qu'à descendre lui là pour dire, bon, il n'a qu'à aller se faire. Tu te fais baptiser et tu reviens. Hein? Là, il a. Lui là. Un autre jour, je vais vous expliquer. Un autre jour. En Israël, il y a 6 villes qu'on appelle les villes de refuge. Lui, la brigand là. Si on l'avait libéré pour dire, écoute, on t'attend ici. Va te faire baptiser. Viens reprendre la croix. Il ne se fait pas baptiser. Il gagne temps. Il va se jeter dans une ville de refuge. Dans une ville de refuge, quand tu le vois, il te voit, mais tu ne peux plus rien contre lui. C'est pourquoi Jésus dit tout ça est trop long. Ils ne vont pas te descendre. Ton baptême là, on va voir ça en haut là-bas. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un croyant, un serviteur, un esclave de Christ, dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.